Bonjour à toutes et tous. Merci d'avoir attendu parce qu'effectivement, on a connu un petit contretemps dans le démarrage du festival, donc du Salon du Livre Afro-Caribéen, donc qui a lieu aujourd'hui et demain, donc au sein de ce magnifique endroit qui est la Cité du Livre d'Aix-en-Provence. J'ai la chance d'inaugurer la série de conférences et de tables rondes qui va se dérouler tout le temps du salon. Je pense que vous avez tous pris un programme. Vous avez vu qu'il y a des rencontres très, très intéressantes avec des auteurs de référence qui sont programmés aujourd'hui et demain, plus des concerts le soir. Donc je vous encourage en tout cas à y aller ou à faire passer le message auprès de vos proches et de vos amis. Nous allons démarrer par une table ronde un peu spécifique puisque c'est une table ronde à vocation professionnelle et l'intitulé est « Éditer les auteurs d'Afrique et de la Caraïbe, conviction, engagement et choix stratégiques ». Alors moi, je ne me suis pas présentée, donc je suis Nathalie Philippe. J'ai travaillé près de 15 ans dans le secteur du livre et de la culture pour le compte de l'Institut français en France et donc j'étais chargée de programmes en faveur de l'édition francophone, notamment dans les pays d'Afrique et de la Caraïbe. Donc ce sont des problématiques qui me sont chères et que je connais bien. Et puis aujourd'hui, je suis à mon compte et je suis consultante en communication digitale. Donc, et je travaille aussi, donc j'ai eu l'occasion donc, de collaborer avec le salon dans l'organisation de tous les espaces exposants que vous pourrez voir avec tous les ouvrages, qui est un fonds assez représentatif de ce qui se fait aujourd'hui en matière d'édition des auteurs afro-caribéens. Donc je vous invite vraiment à, si vous ne l'avez pas déjà fait, allez vous balader et voir un petit peu tous les ouvrages qui peuvent inciter à beaucoup de curiosité si vous ne connaissez pas bien les auteurs afro-caribéens. Donc avec nous aujourd'hui qui viennent fraîchement de débarquer d'ailleurs, donc Bernard Desjeux, donc directeur des éditions Grandvaux, photographe professionnel. Alors non, d'habitude il est en tandem, il est avec sa femme Catherine, donc Bernard et Catherine Desjeux, puisque il y a jamais l'un sans l'autre, mais là pour la bonne cause ils ont dû se séparer parce que je crois que Catherine est mobilisée sur un autre salon, tout simplement. Voilà, elle est partie en Haïti. Donc, à ma gauche, donc Monsieur Sansi Diakité, donc qui est directeur de l'Armat en Guinée et directeur de Conakry, capitale mondiale de la culture. C'est bien ça ? Du livre. Du livre, pardon. Excusez-moi. Capitale mondiale du livre 2017. Voilà. Et là, vous pourrez voir d'ailleurs, vous avez un ouvrage qui fait la synthèse. Et donc Monsieur Diakité donc arrive fraîchement de la Guinée puisque vous êtes arrivé hier soir, je crois. Et donc la Guinée nous fait l'honneur de sa présence pendant toute la durée du festival et donc représente à la lourde charge de représenter finalement l'édition africaine. Voilà. Très bien, on est tout heureux. Alors il y a quand même Adjala, qui est quand même une personne très importante. Ah oui. Sansi, oui, voilà, oui, on a une jeune fille qui est arrivée aussi avec cette délégation, donc je vais laisser à Sansi le soin de la présenter. Mais écoutez, bonjour à toutes et à tous. Agaïssatou est élève au collège. Elle a été lauréate du prix du Petit Journal. Le Petit Journal, c'est une compétition à Conakry pour les élèves de CM2, sixième année, où pendant toute une année, ils font de la recherche, ils fabriquent des journaux qu'ils présentent et le meilleur ou la meilleure est récompensé par un voyage qu'on organise en France et en Belgique où il vient rencontrer vraiment le monde culturel, le monde des médias pour vraiment échanger. Mm-hmm. Donc Agia est là dans ce cadre-là. Et l'année dernière, elle a fait pas mal la couverture sur Conakry, capitale mondiale du livre. Donc peut-être qu'elle pourra intervenir sur la problématique du livre dans les classes, oui, à Conakry, de ce qu'elle, dans son école, est-ce qu'il y a des livres, est-ce qu'il n'y a pas de livres, qu'est-ce qu'elle souhaite faire. Bien sûr. Tout ça. Donc voilà. Voilà, je pense que cette jeunesse est portée sur l'avenir, donc oui. Et il faut absolument qu'on l'entende. Alors pour lancer les débats, donc je vais introduire un petit peu sur un,
sur un petit feedback de l'édition africaine. Donc, de présence africaine à Actes Sud, que vous avez vu ici sur les stands, en passant par le Seuil, Gallimard. Donc, les littératures afro-caribéennes francophones sont pour la plupart nées d'un mouvement contestataire à l'époque coloniale. Alors, on peut parler d'ouvrages emblématiques pour ceux qui connaissent ou ne connaissent pas, donc comme Peau noire, masque blanc de France Fanon, par exemple. Il y a le fameux discours sur le colonialisme d'Aimé Césaire. L'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Khan. On peut penser aussi au mauvais sang de Chikaya Utamsi, donc grand poète congolais. Donc, ils sont finalement des textes fondateurs qui ont été portés aussi haut et fort dans les milieux intellectuels parisiens, notamment d'ailleurs chez les surréalistes. C'est à cette époque-là que de grandes maisons d'édition ont fait finalement un pari fou d'éditer des auteurs qui étaient méconnus et qui ont par la suite, pour la plupart, obtenu des grands prix littéraires. On pense à l'auteur René Maran, qui avait obtenu le prix Goncourt en 1921, donc pour son roman « Batoila ». Il y a l'auteur malien Yambo Wologem qui a eu obtenu le prix Renaudot en 1968 pour Le Devoir de violence aussi. Et c'était finalement toute une époque où la littérature vibrait encore sous le sceau de l'engagement. Et c'est probablement cet engagement qui avait poussé les grandes maisons à éditer ces auteurs qui sont aujourd'hui devenus canoniques, finalement, du corpus de littérature afro-caribéenne. Alors, la question, c'est qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'un éditeur... alors là, je parle surtout de la France, parce que, comme vous avez pu le voir, il y a une forte représentativité de ce qui se fait en édition française sur les auteurs afro-caribéens. Bon, alors évidemment, le lien est complètement logique, puisqu'on parle d'auteurs francophones et d'expression française, donc ça paraît absolument logique. Donc, qu'est-ce qui fait qu'un éditeur décide de mettre en place une collection de littérature afro-caribéenne ou qui décide d'intégrer un auteur afro-caribéen directement à un catalogue de littérature française, parce que c'est quelque chose qu'on voit aussi dans les collections. Qu'est-ce qui fait aussi qu'un éditeur décide de publier uniquement des auteurs afro-caribéens? Il en existe. Est-ce qu'il faut parler finalement de mise en lumière ou au contraire de ghettoisation? Donc l'idée, c'est vraiment de réinterroger et de mettre en perspective le positionnement et la reconnaissance des auteurs afro-caribéens dans le champ de l'édition. Voilà, donc c'est l'enjeu de ce débat. Et donc avec nous, aujourd'hui, donc deux éditeurs, un éditeur français et un éditeur guinéen. Donc déjà, voilà, donc ça nous permet de représenter un petit peu les deux pans de cette édition. Et j'ai envie de poser une première question à monsieur Diakité. Monsieur Diakité, donc vous êtes éditeur à l'Harmattan Guinée. Oui. Depuis quand? Depuis combien de temps? Septembre 2006. Ouais, je fais mes études en Guinée. Mm-hmm. J'ai eu une maîtrise en sciences économiques. Après cette maîtrise, je suis venu en France pour faire un master professionnel en gestion et management. C'est à la suite de ça que j'ai fait un autre master sur l'édition, parce que j'avais envie vraiment d'aider mon pays, c'est qu'il y ait une politique éditoriale. Mmh. En général, il y avait des petites maisons d'édition qui envoyaient des manuscrits au Sénégal, à Abidjan, mmh, ou en France ici, et généralement, ces manuscrits n'étaient pas beaucoup retenus parce que les maisons d'édition disaient que ces manuscrits ne rentraient pas dans leur politique éditoriale. Donc je me suis dit depuis des années qu'il faut créer une maison d'édition localement qui puisse répondre aux besoins des Guinéens, aux besoins des gens qui résident en Guinée. Donc c'est ça votre engagement? Oui, c'est ça, c'est ça mon engagement. Oui. Parce que c'est pas que des Guinéens que je publie. Il y a des entiers qui sont en Guinée que j'ai publié. Il y a des Français qui vivent en Guinée que j'ai publié. Il y a des... Donc Américains. Vous ne publiez que des auteurs qui résident en Guinée? Oui. Si, c'est la politique. C'est ma politique. Donc, s'il y a d'autres qui, avec ces références, envoient d'autres manuscrits, peut-être qu'on peut voir. Mm-hmm. Donc, voilà comment est né l'Harmattan Guinée à l'image de l'Harmattan en France. Très bien. Pour faire du faible tirage, on ne tire pas en gros comme...
seuil. Ce que permettent les tirages numériques. Aujourd'hui, hein, donc, de faire de faibles tirages. Donc, mais pour publier un auteur chez nous, c'est simple. C'est la qualité du texte et l'utilité. Ce n'est pas du tout un critère commercial. Par exemple, vous avez dit quelque chose qui est très, très important. Un auteur qui n'est pas connu, s'il va avec son manuscrit chez Hachette ou chez Seuil ou chez Actes Sud, ils vont hésiter un peu. Moi, si bien l'auteur là vient chez moi et que le livre est utile, le livre est intéressant, c'est utile pour le continent, c'est utile pour le pays, moi je rentre là-dedans tout de suite. Parce que qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire en 500 exemplaires pour un départ et en fonction de la demande, j'essaierai de réimprimer ou de rééditer en 72 heures pour mettre à la disposition. Oui, sur les pratiques de l'armatance, d'ailleurs. Oui, tout à donc fait. Voilà, c'est que nous faisons aujourd'hui en Guinée. Donc on a commencé en septembre 2006. Et aujourd'hui, nous avons près de 400 auteurs dans notre catalogue. Vous avez 400 titres ou 400 auteurs? On a plus de 400 titres, ouais. Mais aujourd'hui, dans le réseau, les anciens de l'Harmattan qui avaient publié avant l'Harmattan et aujourd'hui, nos auteurs qui sont sur place, le tout réuni, ça fait près de 400. Donc, on circule, on organise un grand salon du livre qui s'appelle les 72 heures du livre. Nous mettons en lumière tous ces auteurs qui résident en Guinée et qui viennent souvent nous rencontrer. Donc voilà comment est-ce qu'on a lancé cette opération, cette maison d'édition qui est de droit guinéen et qui fonctionne comme ça simplement. Au niveau national. Au niveau national. Au national. Donc, est-ce que vous diffusez vos ouvrages? Je sais que la circulation des livres à l'intérieur du continent est souvent très complexe pour des raisons de taxes et de rétention aussi aux frontières, hein, souvent. Est-ce que vous parvenez à diffuser voilà, la chance votre que production nous avons dans d'autres pays ou dans les pays avec voisins? Avec l'Harmattan, ouais. C'est un réseau formidable, extraordinaire. Par exemple, il y a l'Harmattan dans tous les pays d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale, au Maghreb aujourd'hui. Ils sont donc, au Sénégal ils aussi. Ils sont au Sénégal. Hein. Oui. Donc, nos livres sont diffusés dans tout le réseau Harmattan et dans tout le réseau de diffusion que Denis Priant chapote avec Prio. Donc Denis Priant, c'est le fondateur, des, pour éditions le fondateur des éditions L'Harmattan donc, dans les années 1970. Aussi en Europe, en Amérique, au Canada, dans tous les pays francophones, on a la chance. Nos livres sont diffusés à travers vraiment ce réseau. C'est pourquoi nous avons choisi vraiment de travailler avec l'Harmattan. Quelle typologie d'auteurs vous choisissez d'éditer? Parce que vous éditez de la fiction, mais pas seulement, j'imagine. Ben, nous éditons un peu de tout. Ouais. Des romans, des essais, des livres historiques. Et aujourd'hui, on a commencé les annales de Bach et de BEPC. Qui servent le patrimoine, le bien commun? Oui, le bien commun, oui, bien sûr. Et du scolaire aussi, alors? Du scolaire. On va lancer une grosse opération en 2019, là, du scolaire. Donc, nos équipes sont en train de travailler, de préparer. Et vous n'êtes pas trop en concurrence avec, sur le scolaire, vous n'êtes pas trop en concurrence avec les majors françaises qui répondent à des appels d'offres si, de l'État? Bien sûr. Aujourd'hui, on n'a jamais soumissionné à un appel d'offres parce qu'on voulait d'abord nous imposer localement, vu qu'on a suffisamment maintenant d'ancrage. À partir de 2019, nous allons vraiment lancer les opérations dans le scolaire. Donc nous, on a commencé, on ne va pas faire des choses à la va-vite. On commence par le préscolaire, ensuite... Le périscolaire, oui. Donc là, ça ne nécessite pas de répondre à des appels d'offres. Donc voilà, on va commencer petit à petit jusqu'à vraiment nous imposer dans ce domaine. Et ce qui est intéressant, on a fait une étude diagnostique du livre en Guinée et nous avons compris que vraiment, il faut des auteurs pour faire des livres adaptés. Les livres qui viennent ailleurs sont difficilement accessibles au public guinéen. Et en termes de prix? En termes de prix. Et nous sommes en train de voir avec le ministère de la Culture comment est-ce qu'il faut mettre en place une loi pour vraiment protéger les éditeurs locaux, pour qu'on puisse vraiment avoir le marché du livre scolaire dans les prochaines années. Et pouvoir répondre dignement aux appels d'offres pour concurrencer les Belin et Hachette et j'en passe, effectivement. Donc, voilà. Bah, écoutez, c'est tout à votre honneur en tout cas. Et voilà, moi je vous souhaite vraiment bonne chance dans ce développement-là de votre entreprise. Bernard Desjeux, alors moi j'ai envie de vous poser. Hop, je te passe le micro.
Bernard, donc j'ai envie de vous poser aussi la question. Alors, les éditions Grand Vaux, elles ont été fondées en quelle année déjà? Je le sais, ça. Je suis content de le savoir. Elles ont été créées en 92. Ouais. Mais dans tout ce qui a été dit là, dans le préambule, tout ça, je m'aperçois que moi, j'ai fait un pas de côté. Je ne ressemble pas, en effet, comme tout le monde, mais on ressemble à personne. Je ne suis pas du tout dans la notoriété. Je ne suis pas du tout dans le... Je pense que la couleur, j'en ai vraiment strictement rien à faire. Pour moi, l'humanité est largement au-dessus des couleurs. Qu'on soit noir, qu'on soit blanc, c'est exactement pareil. Il n'y a pas des petits auteurs africains et puis des grands auteurs blancs ou l'inverse. Sinon, on voit des salons qui se transforment en ghetto où les noirs disent « Mais non, on n'est pas des écrivains noirs, on est des écrivains tout court. » Ils sont tous ensemble, comme ça, ils ne s'ouvrent jamais la porte. Quoi. Et inversement, de l'autre côté, toc, il y a du... Donc moi, j'éclate ça. Et ce qui m'intéresse, c'est que le livre soit intéressant et qu'on m'apprenne quelque chose. Moi, je suis curieux. On a une politique éditoriale qui est très simple. On fait des livres qu'on aime pour des gens qu'on aime avec des gens qu'on aime. Donc je ne fais pas de raisonnement économique. Ça me plaît ou ça ne me plaît pas. Si ça me plaît, je sais que ça va marcher. Si ça ne me plaît pas, ce n'est pas la peine de le faire. Parce que ça va être galère, je vais m'emmerder. Et je ne suis pas... quand on me dit qu'il faut bien vivre, ben justement, je ne veux pas vivre pour m'emmerder. Voilà, ça, c'est, donc c'est un truc. Et ça, je peux le dire aujourd'hui, parce qu'à 70 ans, j'ai fait ce qui m'a plu. Et ça a très bien marché. Ça va de mieux en mieux, tel point que je ne peux pas arrêter. Catherine est demain en Haïti. Elle termine un projet ce soir. Elle a terminé jusqu'à minuit hier soir. La maison était pleine d'amis. Elle était en train de faire ses trucs. Et ça nous plaît beaucoup. Et on rebondit de projet en projet. Ça, c'est le premier point où c'est... Il n'y a pas de frontière. Alors, pour autant, il y a quand même... Je ne sais pas la question que tu m'as posée, Nathalie, qu'on se connaît quand même depuis... Alors, moi, j'ai connu... Depuis de longues dates. J'ai connu Bernard et Catherine d'abord en tant que photographe, en fait. Et après, j'ai connu la maison. Et d'ailleurs, c'est la question que je voulais poser, c'est est-ce que la création de la maison n'est pas liée aussi... au travail photographique. Alors il y a des mots que moi j'ai rayé. Le mot travail, ça demande des occupations, ça demande une activité, ça demande une énergie, mais je refuse le mot travail, le mot coercitif, etc. On s'est connus comme photographes, on s'est rencontrés, on a parlé, on s'est trouvé intéressant, je trouvais ça intéressant ce qu'elle faisait. Je ne suis pas venu lui vendre un quart de page de photographie, ça ne m'intéresse pas. Je veux bien vendre un quart de page, il faut payer le quart de page, etc. Mais c'est bien plus que ça. Et je m'aperçois aujourd'hui que j'ai eu raison, parce qu'on a un réseau d'amitié dont j'aurais rêvé et des vrais amis. Et alors c'est là où je veux en venir à l'essentiel de ma présence ici. Tu viens pas, je viens pas, faut payer, faut pas payer, tu m'invites pas. Moi j'en avais marre de pas, moi c'est mon boulot, bon, j'envoie le mail à Sensi, il me dit je viens. Eh bien, je viens avec vous, je vous accompagne. C'est grâce à Sensi, en fait, que Bernard est là. Merci. Et c'est vraiment pour vous moi le plus vous avez beaucoup plus de poids que moi. Pourquoi? Parce que c'est quand même une belle histoire et ça illustre tout à fait ce que je viens de dire. On a rencontré Sensi, tu as parlé de 2006, ça devait être dans ces eaux-là. Il était donc tout jeune. Et oui, on est au Salon du Livre de Paris et puis on nous présente Sensi. Et puis Sensi, le Salon du Livre de Paris, c'est très, très fatigant parce qu'il y a 200 000 personnes, il y a des stands dans tous les coins, donc on traîne comme ça. Et donc il y a des moments, Sensi, il avait besoin de poser son sac et puis donc tout naturellement, sans rien demander, sans rien et d'une manière évidente, il a posé son sac dans notre stand et puis on a bavardé et puis s'asseyait et puis petit à petit ça venait, il s'est trouvé bien là, etc. On était bien ensemble et moi je ne savais pas qui c'était et ça allait très bien, on était très contents qu'il soit là. Et puis de proche en proche on s'est revus sur différents salons, on a vu, il était en compagnie de ministres, notamment monsieur Camara qui est un grand écrivain. Alors monsieur le ministre, ça impressionne, affaires étrangères, il est ambassadeur, il est Lamine Camara, c'est surtout un grand écrivain quoi. Et c'est surtout un type extrêmement, quand je dis un type, c'est tonton, hein, qui est devenu ça. Il est à l'hôpital, on a été le voir ensemble, etc. Et si on dit cet éditeur, il est un petit peu... Oui, moi, c'est ça qui m'importe. Et du coup, ça va beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus efficace parce que quand on fait des choses avec Sensi, c'est très... ça booste, enfin c'est très faut suivre d'abord hein, parce que Sensi, et c'est là où alors je résume, on se voit et puis un jour il vient me voir il y a un an ou deux, il me dit voilà, Conakry est capitale mondiale du livre, ce livre qu'on devait faire sur Cancan, on le fait cette année. Et je le regarde, et là, je vois Sensi, il avait les yeux qui brillaient, il était tout excité. Cancan, c'est sa ville, il adore sa ville, c'est sa famille, c'est non seulement sa famille, mais c'est sa culture. C'est tout ce qu'il a fait. Ville de l'hospitalité. La ville de l'hospitalité.
et il me parle d'une grande fête qui s'appelle la Mamaya. Alors moi, techniquement, je me dis la Mamaya, des photos, une fête. Comme ça, j'aurai de quoi faire. C'est facile de faire une fête et puis je vais faire des choses autour. Donc quand même, je raisonne. Je suis pas un simple esprit. Hein. J'ai quand même un peu... Quelques, je ne suis pas un pigeon de l'année, quoi. Et un perdreau de l'année, pas un pigeon. mais fais gaffe, tu m'arrêtes quand tu veux. Non, mais... Et donc, il monte sur Conakry Capitale Mondiale, et Sancy apparaît, alors Sancy, Kaba Diakité, alors on l'appelle Sancy, ça serait officiellement le prénom. Kaba, c'est le nom de la tribu, on va dire, et les Diakités, ils viennent de Koumbi Salé, à l'époque de l'Empire en Mauritanie, de très très loin, quoi. Et donc, quand on a l'histoire de Cancan dans le nom de Sancy. Quoi. Et après, il y a Sundiata Keita qui vient là-dedans, Soumaoro Kanté, Balafa Seke. Et ma femme, Catherine, disait, mais attends, mais arrête, tu ne fais pas une thèse sur Sundiata Keita. Mais j'ai tout lu, tout, haut en bas, de long en large, Tata Sissé, ouais, Makami Soko, les griots, les machins, les trucs. Et donc, on a fait ce livre. Et j'étais très heureux de faire ce livre, non seulement de le faire, de faire quelque chose de présentable. Notre fils a fait un film, notre film est réalisateur. On a dit, ben, on te fait non seulement un film, mais à la fin, on fait un DVD d'une heure sur la vie quotidienne à Cancan, avec des interviews de l'imam, avec des interviews de l'évêque. Et notre fils a fait un montage assez intelligent où il y a l'imam qui dit, mais il n'y a pas de problème entre nous. Et puis l'image d'après, il y a l'évêque qui dit, mais nous, tout va bien, on essaye de vivre ensemble. Et ça fait quand même plaisir, par les temps qui courent, les journaux qu'on lit, les espèces de... Oui, il y a un véritable discours de paix qui transparaît au travers cet ouvrage et les vidéos. On voit qu'il y a des gens normaux qui peuvent être religieux sans être cons, qui peuvent avoir une morale, qui peuvent vivre ensemble et qui peuvent avoir une part d'humanité. Une part d'humanité, c'est de vivre ensemble. L'homme est quelqu'un pour vivre ensemble. Les gens qui ne vivent pas ensemble, ils sont enfreignés, ils sont pessimistes, ils sont conservateurs, ils sont étriqués. Quand on vit avec les autres, on s'enrichit en permanence des autres. Il y a deux choses, il y a de vivre en groupe et de faire marcher son intelligence. L'homme est un... Donc si on réfléchit, c'est même très, très agréable. Et le livre fait partie de ça, quoi. Et quand je vois ce qu'il a monté, Conakry Capital Mondial, il faut quand même le faire. Il n'y a pas de libraire, il n'y a pas de lecteur. Alors justement, tu me permets la transition. Ouais. C'était ça justement l'objet de ma question à Sancy. C'est effectivement, alors, on sait quand même que la Guinée est une patrie de grands écrivains. Je vais vous en citer quelques-uns. Thierno Monenembo, bon, qui a quitté la Guinée depuis pas mal de temps d'ailleurs. Kamara Lai, donc, qui n'est plus là, évidemment. William Sassine. Donc, grand écrivain, édité chez Présence Africaine. Moi, j'ai fait ma maîtrise sur William Sassine. Donc, c'est bien. Je suis une grande fan de la littérature guinéenne. Djibril Tamsir Niane, donc comme essayiste et philosophe. Alioum Fantouré, Le sac des tropiques, donc qui fait partie des ouvrages des canons de la littérature africaine. Libar Fofana, qui est un auteur plus récent. Et Koumantio Diallo, pour citer une dame quand même, parce qu'il y a aussi des écrivaines, et puis des futurs aussi, heureusement. Et justement, alors... Est-ce que c'est fort justement de ce tissu, de cette réputation littéraire que vous êtes dit, bon, on va se donner les moyens de devenir la capitale mondiale du livre, là où effectivement on est complètement pas dans les circuits de libraires, d'éditeurs, etc. D'où vous est venue finalement cette idée? Parce que c'est un pari un peu fou quand même, oui, il faut le dire. C'est fou, beaucoup nous ont dit... En Guinée, on ne lit pas, il n'y a pas beaucoup de livres. Comment est-ce que vous pouvez prétendre à être capitale mondiale du livre? Ça s'appelle le dernier regard de Gorée.